Chuck demande s'il serait possible de capturer un dragon vivant. Ça me ferait un magnifique sujet d'expérience. Maudit soient ces cœurs de pierre. Je piétine dans mes recherches sur les cœurs de pierre. Vous avez déjà entendu parler des ronce-cœurs ? Ce sont les plus féroces guerriers des tribus de Parjure. Ils remplacent leur propre cœur par des graines de roncier pour créer un lien direct entre leur essence vitale et les forces de la nature. Je veux que vous examiniez un de ces guerriers pour moi, dans les moindres détails. Je vais placer ce sort de mémoire sur vous. Ça vous évitera d'avoir à prendre des notes. Vous ne sauriez pas quoi écrire, de toute façon. C'est simple. J'espère accomplir quelque chose de similaire. Imaginez la puissance dont disposerait un être vivant lié aux forces du Mont Écarlate. J'ai déjà réalisé quelques expériences dans ce domaine, mais... mes cobayes sont beaucoup trop fragiles. Je veux donc en apprendre un peu plus sur les méthodes employées par les ronce-cœurs. Je pourrais y aller moi-même, mais les longs voyages et les risques mortels entrent directement dans le cadre de vos compétences. Ils vivent dans les collines de l'ouest de Bordeciel. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais apparemment, ils ne sont pas bien difficiles à trouver. Cet homme fait le pire thé à la racine de canis qui puisse exister. Cela dit, il semble très bien tenir les lieux. Ah, vous cherchiez un compliment, un signe de gratitude. Ne perdez pas votre temps. Ces choses-là sont réservées aux faibles et aux imbéciles. Je peux enfin me remettre au travail. Irak était un adversaire redoutable. Je me demande ce que j'aurais pu faire de lui s'il était devenu mon apprenti.
Ah!
Je vous cherchais. J'ai quelque chose à vous remettre. En main propre uniquement. Voyons cela. Encore une missive de votre amie Alice. J'espère que tout va bien. Je crois que c'est bon. Je dois y aller. Merci d'avoir été là pour moi. Encore une chope d'hydromel, et j'y vais. Oh, j'en suis sûre. Donnez-les-moi, et je me mettrai au travail.